ce que l'on sait de l'affaire Youssef Belaïli qui a abandonné l'AC Ajaccio. Avec la fin de la trêve internationale, tous les joueurs ont rejoint leur club sauf Youssef Belaïli, titulaire indiscutable à l'AC Ajaccio. Le natif d'Oran a décidé brusquement de boycotter son club qui traverse une période très compliquée. Après le stage de la sélection algérienne qui a pris fin le lendemain du deuxième match face au Niger, disputé lundi 27 mars à Radé, Youssef Belaïli n'est pas donc rentré en France. Il a préféré se rendre chez lui à Oran en ce mois du Ramadan et abandonner son club. Selon plusieurs sources médiatiques, le club corse ne veut pas polémiquer. Les dirigeants et l'entraîneur ne se sont pas encore exprimés sur l'absence de Youssef Belaïli. Ils préfèrent se focaliser sur la situation de leur équipe qui se bat pour sa survie en Ligue 1. Plusieurs sources médiatiques affirment qu'un différend avec la direction serait à l'origine de la décision du joueur qui est tout de même attendu en Corse dans les heures à venir. Cependant, l'Algérien risque une grosse sanction de la part de la direction du club corse, précise-t-on. Il est à rappeler que ce n'est pas la première fois que Belaïli abandonne son club, puisqu'il l'avait fait déjà avec le Stade Brestois et avant avec le Qatar SC.